allez bien? Bonjour. Merci de nous accueillir pour ce premier numéro d'interview. Merci, je suis très heureux de vous accueillir chez moi. Ok. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Eh bien, moi je m'appelle Adrien Sa, connu le nom le plus plausible, c'est ça. Alors, je suis le préfet des études au collège Saint-Benoît. Comment décrivez-vous votre expérience en tant que préfet depuis votre arrivée à l'école? Alors, il faut le dire, depuis mon arrivée, je n'étais pas préfet des études. J'étais, comme on l'appelle communément, adjoint du proviseur. C'était au temps de M. Bassek, proviseur. Et c'est lorsque M. Bassek est parti à Sédou pour encore une autre mission dans le cadre de l'éducation catholique. Eh bien, l'année, son départ, on m'a nommé préfet des études. Préfet des études qui veut dire tout simplement eh bien, celui qui s'occupe des études, ou bien sans aider des études dans le public. Vous avez gravé des échelons. Effectivement. Parlons un peu de votre famille. Comment votre famille soutient-elle votre rôle de préfet et votre engagement dans la vie scolaire? Oui, ma vie dans, disons, dans l'établissement Saint-Benoît est très prépondérante pour moi. Parce que je sens que c'est une vocation pour moi, être enseignant, être au service des élèves. Et souvent, eh bien, je laisse ma famille pour m'occuper des activités scolaires. Vous l'aurez imaginé, souvent la famille alors a un vide. Mais, il faut le dire, j'applaudis demain à la grande dame. C'est-à-dire ma femme, elle me comprend, effectivement. Et c'est pourquoi j'ai plus de temps quand même à venir m'occuper des activités scolaires et, disons, remplir ma vocation, c'est surtout ça. Que j'aime beaucoup, j'aime les voir. En quoi les valeurs familiales influencent-elles votre approche en tant que préfet? Valeurs familiales, vous savez, j'évolue dans un cadre catholique, famille catholique, mais également la fonction, je peux dire, est catholique, entre guillemets. Et du coup, on nous enseigne dans la famille que quand tu t'engages jusqu'au bout. Et du coup, la famille également m'accompagne dans ça. Quand je dis ma famille, c'est surtout ma femme, puisque mes enfants sont très jeunes. Mais ma femme me comprend dans ça. Et des fois, effectivement, tu sens qu'il y a un vide, mais la mission appelle. Tu dois partir pour servir. Comment décririez-vous votre relation avec les enseignants, les élèves et les membres du personnel depuis que vous êtes devenu préfet? Depuis que je suis devenu préfet, en fait, c'est vrai qu'il y a une charge spécifique qui m'a été donné, confié, mais il faut le rappeler. Moi, le travail que j'abordais et je déroulais avant d'être préfet, c'est le même travail qui continue. Seulement là, c'est plus, disons, c'est par, comment je peux dire le nom, c'est-à-dire que la confiance, voilà, la confiance du patronat qui m'a effectivement donné cette tâche-là. Mais cette confiance a été toujours là. Et donc, mes rapports entre d'abord les enseignants, et bien face aux enseignants, puisque moi je le suis, je suis enseignant, j'essaie de comprendre. Parce que dans le travail, il y a toujours, disons, des choses qui manquent. Un travail parfait, en fait, n'existe pas. Pour dire que la perfection relève que de Dieu. Mais, quand je constate que, eh bien, il y a des imperfections, j'appelle le professeur, je dis, ah, mais
ce côté-là, il faudrait peut-être faire mieux, hein, toujours dans le cadre du service des enfants. Parce que les enfants, c'est la richesse du monde. Les enfants, on les forme, c'est ceux-là maintenant qui vont être nos supérieurs demain. Quand je serai vieux, je vais vous voir ministre, je vais vous voir des directrices, je serai très heureux. Et je dirai que j'ai participé à cette réussite. Et chaque enseignant, chaque éducateur doit pouvoir participer quand même à la réussite de l'enfant. Et donc, les enseignants, comme je le suis, des fois il y a des problèmes, hein? Ça, c'est comme ça. Parce que les visions ne sont pas les mêmes. Mais il faut toujours, même s'il y a problème, revenir, discuter et s'entendre sur un point. C'est la raison pour laquelle vous êtes aussi assidu, aussi honnête. Voilà. Et si on peut serrer avec les élèves. Oui. Ça, c'est moi, hein? C'est moi. Dans tout ce que je fais, je m'engage. Et je prends ça avec foi. Et en réalité, je me dis que quand tu t'engages, en même temps, tu triches, c'est pas la peine. Mon problème, c'est la tricherie. On peut travailler, mal travailler. On peut toujours revenir, n'est-ce pas? Mais quand on travaille, on triche, ça ne va pas, on n'ira nulle part. Mais quand même, je loue la collaboration. Il y a des professeurs qui sont là. Eh bien, ils ont le même ressenti que j'ai moi. L'engagement que j'ai, la vocation que j'ai, c'est pourquoi le plus souvent, eh bien, vraiment, nous sommes dans un climat de travail satisfaisant. Merci. Pouvez-vous partager quelques-uns de vos moments ou événements qui ont particulièrement marqué depuis la création de l'école? Oui, depuis la création de l'école, pour rappel, l'école a été créée en octobre 2006. Donc on était logé de l'autre côté, à Saint-Charles. Et c'est par la suite, lorsqu'on a échelonné, parce qu'on a ouvert 6e, 5e, jusqu'en 3e, et lorsque les parents ont demandé maintenant l'ouverture du second cycle, il n'y avait plus de place. Il fallait maintenant qu'on trouve un autre domaine ici, pour pouvoir eh bien, prendre en charge le second cycle. Si je comprends bien, il y avait que le lycée après l'ouverture ici, il y a eu le collège. Oui, c'est-à-dire le collège était à Saint-Charles, de la 6e à la 3e. Et c'est à partir tout simplement de la seconde qu'on est venu ici. Parce qu'on n'avait pas, disons, de l'espace pour ouvrir le second cycle. Et ça, c'était en 2014. Le second cycle a démarré en 2014. Mais de 2006 jusqu'à 2013, on était avec le moyen, mais pas encore de ce principe. Un événement qui vous a particulièrement marqué? Alors, l'événement, il faut le dire, c'est lorsque on fêtait les 10 ans. On a fêté les 10 ans ici. C'était, si vous êtes mathématicien, là, 2006 jusqu'à 2016. Voilà. Alors, c'était un événement marquant parce que tout simplement, on devenait grand, ce que je veux dire. On est sorti du moyen et on est parti au secondaire. Alors, c'était un événement très marquant parce que on l'avait fait d'une manière, l'ampleur était un peu nationale. On avait pris les anciens, c'est-à-dire ceux qui avaient quitté la troisième chez nous. Ils sont partis, et qui étaient devenus des étudiants, ils étaient venus avec nous. Et je les ai vus grandir. Et il y a un qui a fait un témoignage sur moi, hein, lorsque je l'ai eu au collège. Il se rappelait de ce que je faisais en classe. Il se rappelait un petit peu de ma manière de faire. Mais surtout, il s'est rappelé des chicotes. Parce qu'effectivement, j'ai tapé sur les fesses plusieurs fois. Voilà. Alors, mais après ça, il nous dit tout cela, c'est parce que tout simplement, nous, ce n'est pas seulement moi, mais
nous à Saint-Benoît, on veut que les gens puissent pas travailler. Et il m'a amené un cadeau pour ça. Il me dit, d'après tout ce que vous avez fait, hein, vous m'avez frappé, vous m'avez puni, tout. Je te suis très reconnaissant. Et j'ai vu les résultats au niveau de l'enseignement supérieur. Ça m'avait beaucoup frappé devant tout le monde, ce témoignage. Fierté, effectivement. Et c'est après que j'ai dit, donc, je n'ai pas le droit de baisser les. Je dois continuer pour avoir encore d'autres, disons, témoignages plus longs.